Sur le dos. Allez. Là. Donc l'objectif c'est 1, 2, boum et je rentre. Donc normalement c'est 1, la frappe ici, boum, je rentre. Ah, ça. Ouais. Faites attention parce que là ça fait vite mal et il faut bien contrôler le coup. L'avantage d'être ici, hein, c'est que voilà, avec le plastron, vous pouvez quand même rentrer votre frappe. Donc là je veux pas que vous preniez beaucoup d'élan ici, faire ça pour revenir là. C'est là. Et on rentre. Donc c'est 1, 2, 3, boum, je rentre. Ça va, les gars? Ouais. Donc vraiment c'est 1, 2, je rentre ici et je viens frapper en extérieur. 1, 2, boum, je rentre. Je rentre. Et de l'autre côté, pareil. 1, 2, boum, je rentre. Alors essayez de, surtout celui-là, vous contrôlez bien. Parce que ça va être douloureux. Donc, si vous avez un doute, hein, je suis ici. 1, boum. Mais voyez là, le mouvement qu'il fait quand je viens taper là. C'est le mouvement qu'il ferait là. Si je le mets là, il va faire 5 puissance 10. Hein. Donc vraiment, ici, ça va? Bien. Hein. Je rentre ici. Je pars d'une position neutre et je rentre. Okay. On y va? Vous avez tendance à amorcer. Vous êtes du coup, comme vous voulez mettre de la, pas de la puissance, mais de la vitesse, vous avez tendance à être là à partir d'ici. Votre main, elle est là, elle doit rentrer là. Ça suffit, ça. Bah, je le fais déjà en plus. 100 mètres, forcément trop de puissance. Alors oui, si je fais ça, bah oui, je vais avoir plus de puissance. Mais l'objectif, c'est de partir du point zéro et d'arriver là. Là, il a reculé sur 1, 2, 3. Et vous avez vu, ma jambe, elle est partie à l'extérieur. Je ne fais pas 1, 2, boum, je ne passe pas ici. 1, 2, boum, pardon, moi je suis ici. Là, je sors. J'anticipe le mouvement d'après. Et pareil, quand je suis de l'autre côté, c'est 1, 2, boum, ma jambe, elle sort à l'extérieur. 1, 2, boum, la jambe, elle sort. Si vous êtes ici, 1, 2, et vous restez là, au bout d'un moment, pour enchaîner la suite, il va y avoir un problème. Vous allez être là, 1, 2, boum. Moi, ce que je veux par la suite, là, c'est... Hop, et on viendra mettre la jambe. 1, 2, 3, 4, boum. Donc là, je rentrerai par 1, 2, 3 ici, parce que je vais enchaîner. Mais là, 1, 2, je vais vous sortir. 1, 2, je sors. Et pas. Je ramène ici 1, 2, 3, 4. Ça fait un temps supplémentaire. Ma main, elle est là. Ça va? Le truc, c'est quand je vais rebondir là, si on rentre bien là, celui-là, il va peut-être pas être forcément efficace. Hein. Mais là, quand vous allez remonter là, ça va être efficace. Hein. Et si vous arrivez là et vous ne les lâchez plus, vous êtes encore plus efficace. Donc, on part d'ici, 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, boum. Quand vous aurez fait votre série, celui qui a le bouclier garde le bouclier, et on enchaîne la suite. 1, 2, 3, boum, boum. Et je remets ma frappe là. Hop, pardon ça. Et la frappe au pas. Respire. Donc, 1, 2, 3, 4, boum. 1, 2, 3, 4, boum. Vous avez vu les mains reviennent là, ça ne va pas dans tous les sens. 1, 2, 3, 4, boum. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Allez, donc c'est parti. En gros, ce soir, on travaille aussi sur cette notion de distance où le sparring n'y recule pas. Donc, c'est à moi de m'adapter si je veux frapper au bon endroit. Si je veux faire 1, 2, 3, 4, ici, boum, sans lui faire mal, vous avez vu, il a fallu que je recule. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que vous travaillez sur une autre distance qui est ici, boum, 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 et là, vous le faites reculer. Mais ça veut dire que, vous avez vu, j'ai pratiquement travaillé sur place sans me déplacer. Alors que, si, merci Lionel, si je suis ici, hop, je fais le petit pas de retrait. Hop, je monte le genou et je déplie ma jambe et je l'arrête. Je ne déplie pas ma frappe jusqu'au bout, sinon il recule. Pourquoi tout à l'heure on faisait 1, 2, 3 et on sortait là? Parce que si je mets premier impact ici, là il est en train de reculer. Pour ça que je le suivais. Pour pouvoir derrière enchaîner. Moi j'enchaînerai différemment parce qu'il a reculé et je me retrouve sur un autre appui. Mais c'est pour ça qu'on va aussi vers l'avant.
Donc, si vous faites le choix, vous allez travailler de la manière dont vous voulez, c'est vous qui je travaille doucement, mais je vais le faire reculer. 1, 2, 3, 4, boum, je suis ici, et derrière, hop, je vais le suivre. Juste pour mettre un petit coup supplémentaire et m'obliger à le suivre. Donc, vous y mettez ce que vous voulez. Quand vous avez fait 1, 2, 3, 4, derrière, vous y mettez ce que vous voulez. D'accord ? Et l'autre fois, vous êtes sur place. 1, 2, 3, 4, boum, boum, c'est moi qui... 1, 2, 3, 4, là regardez, je switch vers l'arrière pour engager ma jambe. Donc vous me faites les deux versions. Allez, c'est parti, merci. Une fois vous le suivez,